Yep.
Thank you.
We'll be right back.
Merci d'être là, merci de vos présences, merci de vos applaudissements, merci de vos soutiens, enfin merci de tout. Merci sans doute d'être les belles personnes que vous êtes, puisque vous êtes avec nous. Merci.
Non, vous allez, si vous voulez bien, encore une fois, pour les féliciter et pour les remercier de ce qu'ils nous ont offert ce soir, applaudir l'ensemble des créateurs, créatrices, qui... qui travaillent d'une manière incroyable le jour, la nuit, l'été, l'hiver, tout le temps, toute l'année, pendant des années, pour cette minute qu'ils vous offrent d'enchantement personnel et peut-être aussi de réenchantement du monde. On les applaudit encore une fois. Faire une chose un peu nouvelle. J'ai eu quelques idées folles ce soir pendant ce défilé. Je vous en livre une ou deux. Imaginez un instant que ce ne soit pas 36 créateurs, créatrices qui aient travaillé pour nous, pour vous ce soir, mais 36 000 ou 36 millions. Imaginez combien le monde serait différent. Combien il serait plus libre, plus fluide, plus libéré de tous ces corsets, plus pacifique, plus désireux de toutes les différences. Ouais, ce serait vraiment différent. Ce serait vraiment différent si c'est 36 000 ou ces 36 millions de personnes acceptaient à l'exemple de nos jeunes diplômés eh bien, de n'avoir pas d'autre premier souci dans l'existence que de devenir ce qu'ils sont. Ce qu'ils sont. Pour eux-mêmes, au plus profond d'eux-mêmes et de la plus nue des façons. Et puis, je pense encore autre chose, puisque, allez, d'idées folles en idées folles. Imaginez un instant que les mâles, très mâles, qui gouvernent diverses parties du monde et qui font peser toutes sortes de menaces sur le monde, que ces mâles, un instant, acceptent de regarder en eux-mêmes du côté de la fragilité, de leur fragilité, qu'ils essayent de se cacher contre le monde. Nous, on est prêts à les accepter. Gouvernants, venez. Venez à la aide. Peut-être même nous vous offrirons la gratuité, on vous exonérera de vos taxes d'études. On vous donnera des bourses si vous venez. Et si vous travaillez bien, après 2 ou 3 ans passés ici, eh bien peut-être nous vous décernerons le prix Art et Humanité de la aide. C'est peut-être cela. C'est peut-être cela la mode. Certains parfois ont imaginé que la mode était quelque chose de futile. Il n'y a vraiment que les esprits simples pour penser que la mode est futile. Que le monde est plus beau quand il est le monde de la mode. Et regardez un peu comment ça s'écrit. Il faut peu de choses. On enlève un petit N. Ça suffit. Monde. Moins son petit N devient le monde de la mode. Enlevons le N, enlevant la haine, et le monde sera plus beau. Voilà. C'est... Tout ça n'était, je vous le jure, pas du tout prémédité, prévu, mais c'est simplement un exemple de ce que les personnes vraiment formidables qui sont dans cette école, les étudiants qui travaillent dans cette école, c'est ce type de choses auxquelles ils nous amènent à penser à chaque fois que nous les rencontrons ou à chaque fois que nous rencontrons leur travail. Voilà. C'est pour ça qu'un endroit comme ça est un endroit sans égal. Et puis, bien sûr, alors, on va tout de suite maintenant féliciter celles et ceux qui aussi permettent, invitent
et permettent à nos étudiantes et étudiants de devenir à ce point ce qu'ils sont si singulièrement. Et je pense bien sûr à toutes les équipes, à l'ensemble des professeurs qui les accompagnent avec beaucoup de générosité, avec aussi parfois beaucoup de surprises, avec en tout cas un engagement permanent. Et donc, grand merci, félicitations à cette merveilleuse équipe Design Mode, bijoux et accessoires de la Aide, placée maintenant sous la responsabilité de Lutz Suel et Nina Gander. Et j'aimerais bien que Nina et Lutz me rejoignent. Nina, elle vient à deux avec son bout de chou. Elle, c'est important que vous la voyez ce soir. Elle est incroyable. Moi, je l'ai connue comme étudiante. Bon, on était distants hein, à l'époque. Ça ne fait pas pareil. Elle a été l'un, pas le seul, mais l'un de nos premiers très beaux diplômes. Je me rappelle bien. Je me rappelle. C'est dit, elle va devenir quelque chose, cette petite. Et aujourd'hui, elle est responsable adjointe du département, bientôt maman. Elle est géniale ici. Et elle est folle, elle est formidable. C'est elle qui fait les... C'est elle qui... Regardez. C'est elle qui fait tout ça. Voilà. Avec beaucoup de monde autour, évidemment. Évidemment. Et puis, voilà, il y a ce garçon qui nous a rejoint, qui est aussi un gars formidable. Ah bon. Formidable. C'est bien de savoir. À tous égards, il s'appelle Lutz Suel, c'est un grand créateur et il est à la tête du département. Jean-Pierre, merci. Bonsoir tout le monde. Bon, c'était un peu plus tard, mais je vais le faire tout de suite, comme on est là, comme ça. J'ai réfléchi pendant plusieurs jours qu'est-ce que je pourrais dire aujourd'hui, parce que ce n'est pas évident, surtout pour quelqu'un qui ne parle pas français aussi bien, ce n'est pas ma première langue. Alors j'ai réfléchi. Ce matin, j'étais dans le tram pour venir à l'école pour travailler, et j'ai vu une pancarte qui disait « Il a hissé l'école d'art de Genève au sommet ». Et en fait... Je répète ça parce qu'il a hissé l'école d'art de Genève au sommet. Il a aussi hissé le département de mode au sommet. Et je dois dire que la tribune de Genève a tout dit pour moi. J'ai besoin de rien dire d'autre, sauf que je suis super reconnaissant et je suis très fier de pouvoir travailler avec cette équipe géniale. Vous avez vu Nina, mais il y a une équipe absolument géniale. Et sans cette équipe, je ne ferais rien ici. Il y a une équipe géniale, c'est une école absolument géniale. Des étudiants sont super. Ce beau défilé que vous avez vu là ce soir. Et je voulais te dire personnellement que je ferai tout pour que ce département reste au sommet. Et je te remercie. Il ira plus haut encore. Alors, dernière chose. Comme le département de mode, tu sais, il fait des vêtements, et comme tu es très stylé aujourd'hui, mais il faudrait un tout petit accessoire en plus... Est-ce que je peux donner ça? Attends, je vais juste prendre ça une seconde. Oh là là! Beaucoup savent que je suis prêt à tout dans cette école, mais enfin... Ah oui! Waouh! Incroyable! Un peu vite. Ouais. Merci. Vous êtes des amours. Alors, c'est au nom de tout le département. Design, mode, bijoux, accessoires. Et t'as vu, il y a toi et il y a Head Fashion Design. Il faut que tu regardes en place. J'ai vu un peu. C'est un cadeau magnifique. Voilà. Merci à tout. Je ne sais pas quoi dire. Je vais passer vite à autre chose parce que sinon, il va y avoir trop d'émotions. Donc, allez. C'est marqué quoi, là, de manière informelle, je sais pas, bon, ok, voilà. Bon, alors, allez, 4 prix vont être remis ce soir.
le prix Eyes and Talents by With Head, le prix La Redoute With Head, le prix Bachelor Bon Génie, le prix Master Firmenich. Je vais maintenant, puisqu'on parle de prix, eh bien, appeler le jury international magnifique qui a beaucoup travaillé depuis hier et qui aura fait et va vous donner dans quelques minutes les noms des personnes qui ont été primées parmi toutes celles dont vous avez vu le travail ce soir. Et je crois que c'était un exercice difficile. Il me semble que cette édition 2022 du défi des modes Head Genève, je crois vraiment que c'est celui dont la qualité d'ensemble est la plus élevée depuis que nous faisons cela. Alors, Alice Boulot, Sterling Conseil, Paris. Yeah. Francesco Brigida, photographe de mode, Paris. Yeah. Sylvette Lepers, responsable image partenariat La Redoute, Paris. Paola Canovas, artistic director, Paola Canovas del Vas, London. Antea Hamilton, artiste, collaboratrice, J.W. Anderson, Londres, London. Yeah. Olia Krychuk, fondatrice et rédactrice en chef de One Granary, London. On envoie un gros bisou à Séverine Sass, rédactrice en chef adjointe et rédactrice mode pour Le Temps et le Thé du Temps à Genève. Margot Scheuer. Oui, on peut applaudir Séverine. Elle fait partie de nos proches. Margot Scheuer, directrice des achats, Bon Génie, Grider, Genève. Patrick Scalon, Communications and Artistic Consultant, Paris, London. Yeah. Un grand monsieur de la mode. Grande figure. Et Pepin Van Heden, Chief Brand Officer pour Carven à Paris. Et enfin, Annick Vetter, photographe, Genève. Alors, on va remettre le premier prix, donc le prix Head for Eyes and Talents. Et donc, je vais appeler pour le remettre Francesca Meloni, qui nous rejoint également, qui va annoncer le prix que vous avez choisi, Francesca. Ouais. Alors, si vous êtes Eyes and Talents, ça veut dire vous avez Eyes on Geneva, non? Oh, you speak English, no problem. Hello, hi. So, my name is Francesca, and I represent... Oh, sorry. My name is Francesca, and I represent Florian de Saint-Pierre for Eyes and Talents. If you don't know it, Eyes and Talents is a platform that digitalizes the recruitment of creatives. And it works with students as well as creatives of all ages to connect talents with influential brands and also art institutions. So we don't just work with fashion, we work on all creative fields. Sorry? Should I do the prize? Yeah, please. Who is the winner? The winners of the 2022 edition of Prit Head for Eyes and Talents are the duo. Louis-Jerry Lebert and Zoe Momier. Please, the winners, join us on stage. Yeah.
Francesca. Congrats. Merci déjà à tous les membres du jury et à vous d'être venus ce soir. Et je pense qu'on a envie de faire un remerciement spécial à toute l'équipe qui nous a suivis depuis un an. Les muses que vous avez pu voir ce soir, ainsi que les artisans, artisanes et tout autre corps de métier qui ont pu participer à cette belle collection. Et à toi, Louise. Merci. Merci beaucoup. So, thank you so much, Francesca. You will have to come every year. Thanks. Alors, on passe maintenant au prix Aide La Redoute 2022. Ça commence à être une assez longue histoire entre nous, Sylvette. Voilà. Et donc, c'est à vous, Sylvette, qu'il revient d'annoncer qui est le lauréat ou la lauréate. Alors, en fait, cette saison, cette année, j'avais envie de mettre à l'honneur et de décerner un prix à un étudiant qui a travaillé beaucoup sur les volumes, sur les formes, sur les structures et sur la transparence. J'ai beaucoup aimé et sur la fragilité aussi. Vous parliez, Jean-Pierre, de fragilité. Sur la fragilité aussi que j'avais envie de souligner. Et ce prix, je le remets ce soir à Normane Mabir. Bravo, Normane. Please. Cher Norman, avant de vous passer le micro, je suis ravie que vous ayez ce prix et je dirais que votre challenge, ça va être de rendre accessible au plus grand nombre vos collections sans trahir l'esprit de votre esthétique. Merci beaucoup Sylvette pour ce beau prix. Et du coup, je souhaiterais aussi en profiter pour remercier tous les gens qui m'ont aidé pour cette collection. Du coup, je souhaiterais remercier avant tout la aide et toute l'équipe de mode. Je pense qu'on peut les applaudir très fort pour leur travail. La aide, qui est une école qui offre un environnement hyper bienveillant et professionnel à la fois. Je trouve que c'est un combo complètement unique. Du coup, merci pour ça. Et aussi, évidemment, ma famille, Clément Gran, à qui j'ai dédié cette collection, et également tous mes sponsors, les ateliers Grandis qui m'ont soutenu sur cette collection énormément, et mes textes pour tous mes labels, The Fabric Sales également, Confection du Coglé, et j'en oublie sûrement. Du coup, merci à tous de m'avoir permis de réaliser cette collection. Bravo! Bravo. Il faut rappeler, n'est-ce pas, Sylvette, en deux mots, que ce prix, la Redoute, c'est un prix très particulier, puisqu'il consiste à produire une collection capsule, qui, comme vous l'a dit, qui va être un pas en avant par rapport à ce travail de diplôme. C'est aussi ça qu'on s'efforce de faire à travers tout ça. La responsabilité de l'école ne s'arrête pas avec la réussite de ces diplômes merveilleux. On considère qu'on doit aller plus loin, accompagner nos jeunes diplômés dans ces aventures personnel si difficile qu'ils ont pris le risque de vivre. C'est beaucoup plus courageux que des tas d'autres choses, en réalité. Et on les accompagne, vous les accompagnez, puisque là, vous leur permettez de créer une première collection et de la vendre à travers le réseau web de la Redoute. Et au sein des Galeries Lafayette. Voilà. Merci, Sylvette. Merci beaucoup. Alors, Margot Scheuer, directrice des achats de Bon Génie Grider. Où est Margot? Voilà, elle est là, elle est arrivée. Bonsoir. Qui va remettre le prix de la meilleure collection Bachelor 2012. La meilleure. Vous allez nous dire tout ça. Je voudrais simplement, avant de vous annoncer le prix, quand même rappeler que Bon Génie est le partenaire historique de la Aide. Ouais. 16 ans. C'est à ma deuxième année et 16 ans. C'est la 16e année que Bon Génie participe à la Aide.
Et ce que je trouve absolument formidable pour avoir bossé à l'international dans la mode, c'est que ici même, et tous ces étudiants sont la preuve que la mode existe en Suisse. Et c'est pas toujours connu, donc il faut le célébrer. Je pense qu'on peut tous les applaudir. Allez. On l'oublie parfois, mais... Ouais. Alors, ce soir, nous allons remettre le prix. Il faut dire qu'il y a eu vraiment tous les jurys qui étaient assez alignés sur, sur ce prix-là. Donc je pense que ça doit être vraiment une force aussi pour cet étudiant. Et il doit s'en rappeler quand il va avancer, je l'espère, dans sa carrière. Il a eu le talent de présenter une collection qui est très particulière de par ses matières, de par le style, mais également une collection qui peut être portable et qui est un de nos critères dans le prix qu'on remet au bon génie parce que, comme vous le savez, nous sommes des magasins de prêt-à-porter en Suisse. Donc un des critères, c'est bien sûr une collection portable, mais on veut valoriser avant tout la créativité, le travail et bien sûr le talent d'étudiant. Donc ce soir, le prix revient à Xavier Weber. Bravo. Bonsoir Xavier. C'est à vous de parler. Bonsoir à tous. Je ne sais pas trop quoi dire en vrai. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné pendant toute la réalisation de la collection, tous mes collègues de classe qui ont fait un énorme travail. Franchement, il y avait vraiment du très beau travail, j'ai trouvé. Et puis après, avec toutes les collaborations, les sponsors, je remercie Philippe Puvillan, qui est un artiste lunetier. Je remercie OCB qui m'a fourni des kilomètres de feuilles à rouler pour réaliser mes looks. Je remercie aussi Fatma El-Jabi qui a collaboré avec moi sur certains looks. Et puis voilà, monsieur Franck qui m'a fourni plein de tissus et qui était super sympa. Merci à toute l'équipe de la aide qui nous a accompagnés pendant ce bachelor, ça tue. Et puis franchement, merci à tous et merci à ma classe en vrai. Avant de passer dans 20 secondes au prix Master, je voudrais que quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection, de tendresse et de reconnaissance nous rejoigne, Jean-Pierre Blanc. Où il est, Jean-Pierre? Ah, alors, si d'aventure il y a encore deux personnes et demie parmi vous qui ne le connaissent pas, Jean-Pierre Blanc est l'inventeur du Festival international de la mode et de la photographie de hier. Il en est le directeur de la Villa Noailles, fait des tas de choses. Il est un exemple de comment la culture peut changer un territoire profondément, y compris dans un territoire pas toujours simple, à certains égards, mais magnifique. Voilà, enfin, c'est lui qui a fait ça, et sans lui, je pense aussi que notre département design mode, bijoux et accessoires serait pas tout à fait le même. Merci beaucoup Jean-Pierre. Et en plus, aller ailleurs, c'est un tel bonheur. Bien, alors, j'essaie de me retrouver dans mes petits papiers quand même. Alors, maintenant, oui. Merci encore Margot et merci donc à Bon Génie. J'invite maintenant Ilaria Resta, Global President de Parfumerie Firmenich, à venir remettre le prix Master Firmenich 2022. Bienvenue, là aussi, merci de ce très très beau partenariat que nous avons pu engager avec vous. Il fait sens à bien des égards, évidemment. Le monde de la parfumerie ou de la haute parfumerie, parfois, est plein de connexions et de connivences avec le monde de la mode et du bijou. Et puis,
ça nous fait d'autant plus plaisir que, comme avec Bon Génie, vous êtes les exemples vivants, les exemples en acte, et bien de ces relations de partenariat très substantielles que nous arrivons à créer avec Genève à partir d'une école qui s'envisage comme étant une sorte d'émanation de ce territoire et en tout cas qui souhaite être en relation, en partenariat avec toutes celles et ceux qui font la vitalité de ce territoire et vous faites partie de ces personnes-là. Merci à vous. Merci à Firmenich. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre. Tu me donneras les noms plus tard? Ah, tu ne connais pas le nom? Non, et la personne qui m'a donné les noms. Ah, bon. Je peux vous aider et vous donner les noms. Ah oui, alors, quand je dois dire les noms, tu m'aideras. Ok, voilà, d'accord. On fait comme ça, alors. Au début, je m'excuse, je dois lire parce que mon niveau de français, ce n'est pas bien, mais je m'aide un petit peu. Merci Jean-Pierre et chers amis. Je suis vraiment très heureux de représenter Firmenich ce soir. Pour moi, c'est la première fois, je suis vraiment ravie d'être ici et de remettre les prix Master 2022, prix qui existe depuis maintenant 5 ans. Félicitations pour ce magnifique défilé, un véritable rendez-vous de la mode digne des plus grands shows. Firmenich est fier de maintenir sur la durée ce partenariat avec l'aide qui fait pour nous beaucoup de sang, nous permettant de renforcer la collaboration avec la communauté créative de notre région et de soutenir les grands créateurs de demain. Nous sommes d'autant plus heureux de faire cette année que notre prix va être remis à... Et donc, le jury a été envoûté par Gabriel Huguenot. Congratulations Gabriel, je voudrais juste ajouter que ce prix prend la forme d'un somme d'argent, mais il s'agit aussi de co-créer un parfum avec nos talentueux parfumeurs de chez Firmenich, parfum qui sera une illustration olfactive de toutes les collections prêtes à porter en accessoire. Congratulations encore. Bonsoir. Écoutez, je pense que parfois un mot suffit face à de longs discours. Du coup, merci. Alors, je crois qu'il y a... On improvise un petit peu. Je crois qu'il y a une photo. Il faut se mettre quelque part pour une photo avec les quatre lauréats. C'est un peu après, ça. Bon, ça se viendra un peu après. Alors, avant d'aller faire la photo, on va maintenant évidemment clore. Je voudrais quand même remercier très chaleureusement, avant qu'on aille boire un verre, bienvenue, toutes et tous ensemble, remercier nos partenaires sans lesquels, bien évidemment, cette soirée ne pourrait exister. Parmi ces partenaires, on en a déjà cité un certain nombre, mais bien sûr l'entreprise Firmenich, dont on vient de parler, toute l'équipe Firmenich présente aujourd'hui, merci à vous toutes et à vous tous, et en particulier François Rohrbarch et Odile Pellissier. Donc Bon Génie Grider et Claudia Torrequadra, qui est là aussi. Rejoignez-nous peut-être, si vous voulez. Chloé Groupe Richemont, Philippe Fortunato, qui est là. La Redoute, Laurent Garret. Et enfin, Laura Star, notre dernier partenaire, un partenaire également très important, Julie Monet. Merci à vous toutes et à vous tous. J'ai déjà remercié l'ensemble des équipes Design Mode, Bijoux et Accessoires. Je voudrais encore remercier l'équipe du département Architecture d'Intérieur, en particulier Léonid Slominski et Bertrand Van Dorp ce soir. C'est eux qui ont conduit l'atelier avec nos étudiants qui a mené à la scénographie de ce soir. Donc,
Tout a été, tout est made in head. Et bien sûr, remercier l'ensemble des équipes de la HED, l'ensemble des équipes administratives, techniques. Je devrais remercier plein de gens, mais quand même un bisou particulier pour Sandra Mudronia. La grande Sandra, qui fait une bonne part de cette école aussi, et en tout cas qui est au four et au moulin dans ces situations. Remercier donc l'ensemble de vous toutes, vous tous, et vous remercier vous une dernière fois, notre cher et précieux public. Merci, bonne soirée. Merci. J'aimerais simplement te dire merci Jean-Pierre et t'offrir un cadeau pour tes voyages suivants, ami de plus de 15 ans, membre fondateur de la Fondation. Bon voyage et à bientôt Jean-Pierre. Merci Raphaël. Ça, ça fait partie des surprises, hein, que total. Mais enfin, bon, magnifique. Oh là 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 là. Je vous embrasse. Merci, merci, merci. Bonne soirée.